Ben ici Dave, on est à Saint-Elzéor. Non, j'ai pas éternué. Encore des shows de boucan. Hey, regarde ça. On va avoir un beau setup aujourd'hui. On va aller voir ça. Yes sir! Oh, j'aime bien ton chapeau, man. Hey, merci bien. Moi, je supporte le monde qui supporte Cletus, OK? Je sais pas si c'est nouveau, j'ai jamais vu ça. Pas pire pareil. Il y a des chars qu'on voit pas dans les autres shows de boucan. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est une machine ton affaire? C'est quoi le moteur d'un 350? 327? Nice. J'ai hâte de voir ça, man. Ta première fois? Sick. Ben ouais, un midget avec un 327. On va voir ça. Quand tu flattes les couilles, là, tu peux faire un petit argent. Ben moi, je suis à le soupçon. Il est juste là, il est pas loin de moi, là. C'est quoi qu'il y a dedans comme moteur? V8 4 litres. V8 4 litres? Ah ouais, t'en parles. Ça a du son pareil, hein? J'ai enlevé Oh, il est plaqué! Fait que Hugo est allé s'enlever de la boîte dans ses tailleurs. Le parking est un petit peu gâteau au chocolat. La préparation!
Sans le gaz. Sans le gaz.
Une teinte de démarrer, puis on trouve déjà des gros morceaux, là. Il a trouvé ça dans une teinte, là. Moi, je dis que pour moi, qu'un sleeve qui a cassé, on trouve déjà des pépites, là, des pépites, là. Pas normal, là. Ouais, si je suis chanceux, on a réussi à sauver mes têtes, pas une valve de débarrer, pas rien. Et je suis pas mal sûr que finalement, c'est une sleeve. Il y avait autant de pression dans la panne que d'huile. Tout est beau, ça. Tires in the smoke, rubber melting on the ground.